Et salut tout le monde, c'est Zodpix et on se retrouve pour le 24ème épisode de Spyro Year of the Dragon. J'espère que je dis pas une connerie, mais je pense que c'est ça. Sinon c'est le 23ème. Je sais plus, bref, on va garder 24ème, c'est pas mal. La dernière fois, on avait libéré le singe après avoir exploré le monde 4. Et on avait donc fait le niveau du singe en même temps. Et donc je suis retourné au monde 3. Donc je l'ai fait en off et j'ai récupéré... Mince, c'est pas ce bouton. Excusez-moi. J'ai récupéré 2 vies. Donc j'ai 7 vies maintenant en off. Bon, je suis rendu grenouille, donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va retourner à usine de feu d'artifice pour faire le... Il y avait 2 œufs avec le singe et quelques joyaux. Et après, on fera le monde de Sparks. Voilà. Donc pour la fin de l'épisode. Alors, on va pas passer par là, on va passer par là. Ça ira beaucoup plus vite parce qu'il me semble que c'était à la fin du niveau. Ça fait un petit moment qu'on a fait ce niveau, donc j'ai un peu oublié. Enfin, moi je l'ai fait, après vous, ça se trouve, vous regardez tout d'une traite une fois que le display est terminé, donc pour vous, ça date pas. Il n'y a pas longtemps, mais moi ça fait un petit moment déjà. Du style 2-3 semaines. Hein. Est-ce que c'était ici? Non, je crois pas. C'était où, bordel là? Bon, on va aller voir ici, on verra bien. J'en étais sûr. Jalem fail. Alors c'est à l'autre. Super, on est reparti pour un tour de canon. Allez, on peut pas zapper là. J'appuie sur tous les boutons, on peut pas zapper. Partout la boîte. Alors voyons voir, c'est ici, non? Non plus. Alors, je sais plus. Ah non, je suis bête, c'était à la fin, c'était dans un trou, voilà, je m'en souviens maintenant. C'est ici. Prends ça, ninja. C'était ici. Voilà, le niveau du singe, la fusée et tout. Spyro, j'aide un garçon à essayer de récupérer des plans secrets pour la fusée que la sorcière a volée. Je suis toujours prêt à shipper le butin à Rhino. Ok, on est reparti pour la galère parce que j'aime pas du tout le gameplay du singe. Oh, une vie. Bonjour Adam Neuf. Derrière ces portes se trouvent des ninjas assez impressionnants. Je parie que tu peux utiliser tes dons de tireur pour les faire décamper d'ici. Mince, rappelle-toi. Ouais. Ça, je suis. Oh d'accord, on est en mode FPS. Ok. On a plus de vie. En plus. Enfin, on a plus de vie, on a plus de points de vie. À moins qu'il nous en ait 25 d'un coup, et du coup, on en a autant. Hein. On est en mode FPS. Ah, mais c'est trop cool! Ah, bah non, du coup, le gameplay va être bon. Hein. C'est un FPS quoi. Et wow! Comment on casse ça là? Voilà. C'est bon, il peut pas entrer dans cette zone en fait. C'est que lui qui peut me shooter. Voilà. J'aime pas du tout ces ninjas. Bon, j'ai pas perdu de vie. Je suis en mode PGM. Moi qui joue rarement en FPS. Hein. J'y joue, mais rarement. Ouais, c'est bien. Il me semblait. Il m'aurait 25 vies à chaque fois là. Non, 66. Ah, en 3 coups, je suis mort. C'est encore pire. C'est-à-dire, une fois que Spark est mort, c'est fini. Non mais, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi. Laissez-moi tuer ce fucking spawner. Oui, je l'ai eu. C'est assez hard, hein. Pourquoi une fois que j'espère que c'est mort, c'est fini, quoi. Ah! Oui! Tu me tomberas pas sur la tête. Fumier.
plus personne. Donne-moi de la vie. Mange le Sparks. Voilà. Oh putain. Ouais mais on vient à l'infini ou? C'est bon? Oh putain. On vient à l'infini je crois. On vient à l'infini je crois. Faudrait... J'ai le temps de tuer cela. Nickel. Arrêtez de venir. On les a eu. Attends de venir. On tombe pas sur la gueule moi. Ok. J'ai le spawn. Enfin le spawn. Hein. Ah c'est plus en l'air. Easy. Je suis concentré. Mince, je cherchais le bouton pour... Voilà, comme ça. Alors on va récupérer les joyaux dans cette pièce déjà. Pfiou. Alors, là-bas j'ai vu qu'il y avait de la vie. Ah, full vie. Bon bah pour l'instant on joue en mode PGM, hein, j'ai envie de dire. Pas pour longtemps mais ça va quoi. Ok. Yup. Ya ya ya. Attends mais on va pas se foutre crâne. Est-ce que je peux avoir plus de 100 points de vie? Ah ce serait du gâchis. Tant pis. Je teste. Non. Ok c'était du gâchis. Ok, salut à tous à l'armée, j'en ai tiré un. Oh oh, on s'est pris un coup. J'aurais pas dû tuer l'autre alors. Le... Oh non, il y a un spawner au fond. Oh je vois rien. Poussez-le. Avec les rebonds. Ouais, PGM. J'ai un oublié. Non, il y en a pas. On va juste tuer ça. D'abord ceux qui sont au sol. Ok. Ça va pas l'armer sur le plafond. Je pensais que ça allait armer elle sur le plafond. Toi par contre. Ah ouais, vous êtes pas rodave les gars. Vous êtes pas rodave, mais vous m'avez roté. Je me méfie parce que ça se trouve, il y en a encore au fond là. La maniabilité, je sais pas si ça vient de ma manette ou à l'origine, c'est mauvais. Allez, on se tourne. Coucou! Allez, tire sur la boîte, tire sur la boîte, tire sur la boîte. Oui, on a eu la boîte. Je crois qu'il y a une autre boîte. Non, il n'y a pas d'autre boîte. On les a tous eus. Oh, c'est bientôt la fin là, parce que ça dure longtemps. Ça me fait stresser à mort. Ah non, ça fait que 5 minutes. Attends, je pensais que ça faisait au moins 10 minutes qu'on était dessus là. Donc ça me fait stresser. De voir débouler comme ça. Ah voilà, c'est la fin. On récupère les joyaux au vent. Qu'il en soit ainsi, récupérons les joyaux avant. Tourne. J'ai tiré sur la F, oh mon dieu. Quelle délinquance. Voilà.
On récupère l'œuf. Petit. Patibulaire. Et on en est à. Oh. Envole-toi sur la lune. Il faut revenir. On en est à 116 œufs. Ça va être super. Ah, mais en plus, il y a des spawners qui sont revenus maintenant. C'est super. Casse le cul à tout casser. Tout casser, pardon, j'arrive à parler. Oh là là là. Et en plus, ça revient. Et c'est encore plus difficile. On n'a pas d'arme sur le carré. Il y a problème de la grenade là. Allez. Sur ce spawn, voilà, on va casser. Le mec, il va se planquer pour rien. J'ai eu l'autre au fond sans faire exprès. Mode PGM. Voilà. Bon, il n'y a plus de joyeux à récupérer à part ce despawner. Ah, c'est dans l'autre sens. À chaque fois, je me trompe. Parce que c'est inversé par rapport à avant. Nombre de monstres. Il faudrait une traite là, pas un flingue. Sérieux, il m'a tiré l'autre. Trop pire. Et voilà. Oh oh. Saute. Voilà. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. En fait, c'est le même niveau mais inversé. Avec plus de monde, c'est un peu plus vif, non? Putain, c'est chiant. J'arrive pas à voir la boîte. Voilà, je voulais l'avoir avec le rebond parce que sinon c'est trop chiant. Non, mais d'où tu sors? J'aurais de ta race. Voilà, oh putain, d'accord, ils viennent de là-bas. J'ai même pas encore commencé là-bas. Calmez-vous là, laissez-moi me poser 2 secondes. Oh, y'a déjà ceux qui t'ont dit toi et tout là. Oh là là, mais. Toi t'es bugué, on va te tuer. Laissez-moi le temps de triver. Bon, on est enfin, en mode Waza Waza Waza. Faut que ça se spawner. Oh putain, je me prends tous les tirs. J'ai cassé le spawn. Vite, on se barre. Non, toi t'es mort. On esquive. On esquive. Y aller en mode Waza n'est pas du tout une bonne idée. Bon, ça a marché. Oh putain, je crois qu'il y a encore un spawner là-bas. Barrez-vous. Sérieux. Mais sérieux. Mais d'où vous venez tous là? Il y en a encore un là-bas. Hein. C'est bon. Il fait 3 spawners dans la même salle. C'est hallucinant. Ça fait déjà plus de 10 minutes d'épisode. Vous vous rendez compte? Ça fera un très long épisode si on fait le monde de Sparks. Hein. On va le faire. C'est vraiment super long. Non mais toi qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, tu meurs. Tu me fais pas chier. Il y a encore des gens ici. Yo. Non, je vais juste prendre la vie. Allez, j'appuie sur le triangle. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Il me tire à travers le mur, c'est con. Oh putain! Y'a le ninja qui saute là! Arrêtez de m'attaquer! Y'a le spawner! Y'en a pas? Ok. Oh
Ok. Toi t'es mort. Arrête de bouger. Voilà. Mais t'es qui toi? D'où tu sors? Mais partons tous. Allez, j'ai eu. Chaque fois je me trompe, hein, vous remarquez, parce que j'ai pris les flakes du gameplay en TPS. Et en TPS c'était inversé, je sais pas pourquoi les ont inversé dans l'autre sens. Mais... Oh. Je spam le bouton de tir depuis tout à l'heure, d'ailleurs vous devez même l'entendre, le bouton tellement je spam. Oh, c'est la dernière salle. J'ai sauté de tension. Je vais pas mourir ici. J'ai réussi tout sans mourir. Je ne dois pas mourir. Je le tasse. J'arrive pas à les détruire avec le rebond. Vous êtes tous comme ça. Partout toi. Oui, je stresse. J'ai eu l'autre. Et il me manque 5 joyaux. Ah, c'est une salle ou quoi? C'est lui qui va me donner peut-être. Ah! Merci de m'avoir sauvé. Tu ferais mieux de surveiller cet œuf avant que les rhinos essaient aussi de le faire exploser. Ok. Donovan. Merci de m'avoir sauvé, mais il a pas explosé en fait. 6 sur 6. Mais il me manque 5 joyaux. Ça va être chaud les amis. Je me souviens plus du tout de ce monde. Enfin de ce niveau. On va déjà revisiter. Si on n'a pas oublié 5 joyaux qui part, un spawner, je sais pas quoi. De toute façon je ferai peut-être une ellipse. Et toi reste ici. Voilà. Ouais les amis, donc. Toi. Une jack qui me saute dessus comme ça. Donc tout con, je l'avais simplement oublié dans le coin. Alors que je viens de me taper quasiment la totalité du niveau, j'avais simplement oublié dans un coin. J'ai perdu une vie au passage. Tant pis. Donc voilà, on a fini le ce niveau ici, donc la première partie de l'épisode. Maintenant on va faire le monde de Sparks. Ce qui est en général beaucoup plus long. J'espère qu'il sera pas trop long parce que l'épisode commence à s'éterniser de mon côté. Bref, alors. On sort. 180. Alors, retour au lac, parce que là. Alors. Niveau terminé. 117 œufs. On va en avoir 118 à la fin de cet épisode. Je vous le promets. Alors. Si je rage pas. Mais je vois aucune raison de rager. Mais à part que je ne trouve plus où c'est. Ça doit être ici, je crois. Voilà, c'est ici. Allez Zoé, donne-moi la mission. La princesse Amy m'a montré un endroit qui s'appelle le rivage des étoiles de mer. Selon elle, il y a un œuf caché là-bas. Je pense que Sparks devrait y jeter un coup d'œil. Et ben allez, c'est parti pour l'arrivage de... Quoi ça, blablabla. Voilà. Bravo. Quelle fatigue. C'est pas... Oh là 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 là. On peut sentir le niveau de galère. Ça a commencé du début là. Ok, là c'est fermé. Là c'est encore plus fermé. Ouais, là ça se voit. Sentez la galère. Je sais plus les touches en plus. Oh magnifique. Voilà. Quand on connaît les touches, c'est mieux. Sentez la galère que j'ai déjà plus de vie. À quoi il servait ce poisson? Non mais en vrai quoi. Je veux dire le mec il a pas bougé. Comment t'as touché toi? J'ai eu quoi? Des mines! Je sais
absolument pas comment on s'en sert. Ok, ça fait des petits en fait, les grosses. C'est carrément de la merde. C'est de la merde, ouais. Plus si ça sert avec pour des joyaux. Vous sentez la galère, on va recommencer 50 fois. Oh! Ok, ok, maintenant il me tire dessus. Avant, je savais pourquoi il m'avait pas tiré dessus. Mais c'était un peu. Comment? Voilà, c'est comme ça pour s'enfiler, c'est comme les singes. Sortez la galère avec les étoiles de mer qui arrivent là. Vous voyez le mec qui gère ou pas là? Ok, y'en a plus. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a eu le poisson. Feu. Feu. Merde. La dernière mine n'a servi à rien, mais tant pis. Hein. Là, faut aller par où? Je crois que j'ai raté des trucs. Attendez. Bien. Feu. Oh non, on va se mettre comme ça. Oh putain. Ah ah, vous sentez le mec en galère là? Vous l'avez senti. Oh les shit, on est... Attendez, juste retourner un. Papa. Ok. Bon, super, on peut pas retourner en arrière. Je vais juste vérifier, j'avais rien oublié, c'est pas grave. Pas maintenant, vu qu'on peut pas retourner en arrière. Et. D'où le PGM de tout à l'heure là. Voilà. J'ai plus d'armes secondaires. Une arme puissante quoi. Oula, vous sentez le mec en galère qui s'est fait. Qui a fait n'importe quoi. Bon, on a pas fini, hein? C'est moi j'ai récupéré 4 vies. Ah mais non, on perd pas de vie. Je crois pas qu'on perde de vie, je suis encore à vie. Encore heureux. J'ai assez galère comme ça. Faut que je cours. C'est clairement rapide, c'est con. Allez, on se met comme ça. On est tout. Putain. Il m'a touché quand même. Saloperie. Prends ça. Putain des mines, j'aime pas ça. Ah mais c'est très très grande portée en fait. Vous sentez le mec qui a fait se toucher là. Oui, vous sentez beaucoup de choses aujourd'hui. Des pieds aussi, vous sentez des pieds. Quoi? Une espèce d'enculé. Wouah! L'effet qu'elle a fait la mine, c'est trop bizarre. Je sais pas où aller. Pourquoi vous voyez pas? Vous sentez, je sens que tu me rejettes. Non, mais non, mais tu me touches à distance. En grande, elles sont hyper faciles à niquer. Si elles bougent pas super vite, petites, elles sont chiantes. Ok, on a niqué le spawn.
On s'en fout d'en bas. On va aller en haut. Ha! Baiser! C'est des parties sous. Pourquoi on a tué tout le monde? Ah, mais c'est de la merde ça! Hein? Arrête de me mettre dessus! Voilà. Bien se placer, voilà. Boum! Boum! Ah! Bah, ici on peut pas y aller. Y'a plein de portes, on peut pas aller. C'est vraiment bizarre. Putain. On va tirer avec ça, on a une autre amélioration après. C'est quoi? Ça, ok, super. Ah, mais après on. C'est bizarre comme c'est fait ce monde. Bon, on en est à peu près à la moitié vu qu'on est à la moitié des joyaux. Éradication. Et voilà, la dernière m'a touché. On se met full vie et on y va. Allez, j'ai appuyé sur le bouton de tir là. Je vois, j'ai appuyé sur le bouton de tir. Je vous jure, je me suis fait massacrer. Je vous jure, j'aurais pas dû foncer comme ça. Oh oh. Oh, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Putain, c'est chiant, on peut pas revenir en arrière là. Je me trompe de bouton. Allez vous. Ouah, explosage de gueule, voilà. On y est arrivé. On a eu du mal, mais on y est arrivé quand même. Là y'a rien. Ok, on va aller juste prendre le papillol. Histoire d'être full. Et go 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 Bressy. Oh là 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 là. On se sent qu'on approche le boss. Le boss. Passé. Putain d'explosion hein. C'est un de mes tirs qui est continué et qui a explosé une étoile de mer. Je sais pas. À mon avis on a raté des trucs hein, parce que plein de portes fermées, c'est trop bizarre et je suis cassé à 50. Et là je crois que c'est le boss. Sentez la pièce vide. Il y a le boss qui apparaît. Ouais, c'est là. Et voilà. La carpe. Pardon. La raie, je sais pas. Je suis pas expert en poisson. Mais c'est quoi ce boss de malade? C'est pas fini après. J'espère qu'il y a plus de monstres. Putain, mais il fait chier lui. Il va dans tous les sens. Il a aucun script. À peu près, mais waouh! Oh, mais c'est carrément chaud! C'est carrément chaud la bite! Culé! Mais vas-y! Ces mines elles explosent que quand elles sont sur moi, je peux pas les faire exploser avant! C'est trop pourri! Comment je pourrais faire là pour me niquer? Forcément une tactique. Si je suis foutu dans un coin. Et vas-y.
carrément très très dur. Je sais pas comment j'ai fait la première fois, c'est sûr. On peut pas tirer en courant en plus. Attendez, et si je suis? On peut pas tirer en arrière. C'est ça la technique en fait. C'est fou qu'il jamais me voie. Putain, j'ai trouvé. J'aime. Vous voyez les gens, j'y arrive, sans rager. Enfin, un petit peu, mais... Oh, on fout un rêve. Je vais te le mettre. Wouah ! D'un coup, il s'est mis à se retourner comme ça. Ouais. Donne à une marque, je le tape trop, là. C'est le spam. Oh putain, ça va être un peu plus chiant là. Ouh, ça va être bien chiant là. C'est l'arbre de la fuite, il envoie plein de machin. En plus, ça lui enlève pas de vie hein, quand j'ai tué les petits. Ça pourrait être une partie de lui, mais même pas quoi. Seulement les deux petits, hein. Enfin les deux moyens. Ah putain, je vais mourir à ce moment-là, non, 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 non. Cours, 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 c'est l'heure de la fuite. C'est l'heure de la fuite. En fait, ça lui sert de bouclier quoi. Enculé. Tout le temps rester en mouvement. Ce boss, c'est vrai, faut rester en mouvement quoi. Je fail. J'ai touché un peu. Ah, j'ai fait bien toucher. De toute façon, j'ai senti du début, elle a dit machin étoile de mer là. J'ai senti mauvais son niveau à Zoé là. On trouve toujours de la merde à faire. Oh, un de moins. On va l'avoir. Il reste un point de vie. Oui, on l'a eu. Anna Shown. C'est quoi ce nom, quoi? Anna Shown. Ah, sur un. C'est pas fini. Reste joli à prendre. Oh. 200 sur 200. Niveau. Terminé. Ah les amis, vous savez pas à quel point je suis soulagé que ce niveau soit terminé. Alors je sais absolument pas combien de temps aura duré l'épisode vu que j'ai fait une ellipse au milieu. Il aura bien duré ces 30 minutes quand je pense. J'ai vu cette très géante, j'ai cru que t'étais fichu Sparx. Moi aussi. Mais tu lui as fait voir du pays. La magie de l'œuf t'a rendu encore plus fort. Tu peux encore encaisser un coup pour Spyro. Oh, j'ai 5 points de vie. J'ai 5 points de vie. Je savais pas, je me souviens plus. Enfin, je me souviens plus. Hop. Maintenant, Sparx va pouvoir encaisser un coup supplémentaire. Ça veut dire une autre couleur? Je sais pas. Ou alors, elle prendra un coup, mais elle changera pas de couleur. Je sais pas. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, il nous fallait plus. Donc, on aura quand même bien avancé. On aura fini en quasi-totalité le monde 3. Il reste. Regardez. Fini, fini, fini. Plus que là. Circuit du miel, la fuite de chasseur, mais il faut débloquer chasseur. Et je pense que c'est après la fin du jeu. Faut avoir tué la sorcière, je pense. Pour que le chasseur soit libéré. Bon, en tout cas, c'est juste avant. Moi, je ferme 2-3 vies là. Pour farmer des vies en même temps que je vous parle. Donc, on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Spyro Year of the Dragon où on continuera à niveau du monde 4. Et est-ce que je vais vous dire lequel c'est? Ou est-ce que je fais le sadique? Non, allez, je suis gentil aujourd'hui. Et ben en fait, non, parce que je sais pas les noms des niveaux, du coup. Attendez, j'essaie de me souvenir, parce que j'ai tourné juste avant. Peut-être que je vais me souvenir. C'était...
être le premier là. Pas tombeau, non, je sais plus. Bref, donc vous verrez bien la prochaine fois. Allez, on se dit à jeudi. Ciao, bye bye.